Bah yop les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur Tueur en série, l'épisode numéro 1. Je suis accompagné de Marty, de Safia, Yo. d'Adeline, de Dylan. Et c'est tout. Voilà. Loïc. Je sais que j'en oublie un, mais j'ai pas envie de prononcer son prénom, il est tellement lerc. Horrible. Et de Loïc, bien sûr. Donc voilà, salut à vous les gens. T'es jaloux, Allez. C'est tout. T'es jaloux de mon prénom. Allez, vas-y, lance, moi, c'est ma poule, vas-y, craque. C'est partout. Donc par contre, dans cette vidéo, c'est un peu spécial parce que du coup, on a tous décidé que ça serait Safia, voilà, à buter, pour le plaisir. Ouais. Non, Safia, le tueur en série, c'est Safia qui va tenter de nous buter, plutôt. Ouais, elle va essayer, mais... À mon avis, c'est elle va pas y arriver. C'est toujours moi qui ai la main sur les tenues. Ah mais nous des stylés hein. Voilà. Ah, c'est non chose, ça c'est trop visible là-bas. Mais des tenues noires, des tenues qui sont bien noires de façon à ce qu'ils sont difficiles. Ouais plus complexe ça pour Safia. Moins visible. Vu qu'elle a du mal toi, non, putain, vu qu'elle a du mal à nous regarder donc justement. Ouais laisse, ouais au pire laisse là. Ça. La gueule de Safia sérieux on dirait un zombie quoi. Et vous attends je vois. Ça fait peur. Ça fait très peur, hein. Arrête, et si je te dis je fais des cauchemars à cause de toi, Safia, je te jure que demain, tu vas morfler. Tu vas le payer, Yaya. Oh, les menaces. Ah, les menaces de ouf, t'as vu ça un peu. Bon, j'ai envie de dire merde à tout le monde, quand même. Ouais, merde, écoute. Ouais, merde. Et on va voir qui sera la première victime de Safia. Hé hey. Je sais quoi, mais il fallait qu'elle tombe sur moi. Mais s'il te plaît, j'étais dans un endroit fermé, j'avais qu'une ligne droite à faire, j'étais obligé de mourir. Marty, viens sur mon écran. Les positions. Là. Attends, voir là, si tu vois là, la même chose plafond, que moi. Hein, pas. Bah non, mais viens voir. Ah ouais, oh non. Non pas... Ouais, mais là, c'est un peu triché quoi. Ah, bah je savais pas, je me suis mis là et ça m'a fait ça. Regarde sur mon écran en France, regarde sur le mien. Non mais en fait si tu veux, Adeline elle est dans un mur et cachée où elle est complètement dans le mur, tu vois plus son corps. Ah oui mais je le connais cet endroit, c'est bon. Sauf bah à écoute moi je Safia le connaissais connaît. Pas. Ouais mais bon si Safia non, le connaît. Non t'es sérieux toi, tu t'es calé là et elle te verra pas, c'est trop bien ça. De quoi on a, je parle d'un peu. Par contre, quand tu te colles au mur, tu verras encore moins. Non, je peux pas plus là. À part me mettre face au mur, mais je peux pas. Oh, t'en fais gaffe. Pourquoi? Non, on a dit pas le droit de donner des indications. Ouais, tu n'as pas un indice, toi, hein, fais pas le bâtard. Hein. Fais attention. Ah, mais qui dit que je fais pas le. Il y a que ceux qui sont toujours en vie qui ont le droit de donner des informations sur la position du tueur. Non Elle s'est retournée, elle t'a donné un coup de crosse, c'est. C'est violent. Ah, pourquoi est-ce que t'es pas resté caché dans ton mur, toi? Ouais. Bah, je sais pas, j'ai voulu la niquer. Ouais, mais non, c'est que t'es maintenant, toi? Adeline, t'as une cachette aussi bien. T'as une cachette aussi bien, t'es obligé de rester pour. Jusqu'à ce que t'aies le fusil. Ouais, j'avoue. Mais c'est pas grave, comme ça, elle s'est pas oxée, donc je pourrais m'y remettre. C'est normal, c'est moi qui ai peur, alors. Tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur. Flip. Tu peux avoir peur. Regarde derrière toi, il y a quelqu'un. Non, tu peux plus. Ah, ça c'est ce que... Yes. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, Safia, tu n'as pas survécu jusqu'au bout. Désolé pour toi. Vas-y, ça me sombre. Oh non, mon bon signe. Ah là 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 là. Première victoire. C'est bien. Heureusement que nous les hommes, c'est moi le tueur. Ouais, c'est ça. C'est qui le tueur? Père Noël. Tu sais que j'ai créé une capture qui s'appelle Papa Noël n'existe pas. T'es sérieux? Ça va être encore beau à voir ça, toi. Ah, hideux cette capture. Franchement, toi, tu l'avais testé toi avec moi? Je crois, ouais. Je suis pas sûr, mais. Avec pense... Olivier. Avec Olivier. Ah oui, ouais, si, je pense. Non, mais lève ta lampe.
Lève-toi de là, lève-toi de là, lève-toi de là. Bah oui, je connais les spawns. Allez, première victime, c'est pas ça commence. En même temps, il arrive direct sur moi, il connaît tout. Allez, ah, coucou, vas-y, coucou. Vas-y, ça me Ah, mais vous tombez tous comme des mouches. Hein. Non, mais moi, je cours toujours vers... vers celui qui doit. Alors... Qui dit connaît tous les spawns, dit aussi connaît toutes les cachettes, hein, évidemment. Bah ouais. Pourquoi il doit être d'accord, c'est franchement c'est des enfoirés. Il t'oblige à bouger. Alors, à demi à lui. Oh, moi je suis caché. Oh bah, il s'est vu le niquer. Ah bah. Oh, attention, il arrive. Oui. Ah, il vient de passer devant moi. Non oh. C'est pas juste. Elle tremble. La preuve que c'est. Elle tremble. Moi, il reste qui là? Ouais, vas-y, reste Anto, qui là vas-y. Marty. L'enculé, l'enculé, putain. Les gens, je crois que j'ai ah l'enculé le mec quoi. Culotte. Ça sent pas très. Parce que là j'avais tu la manette. Tu vas morfler, tu vas morfler, florfler. Pour info, il est tout droit. Mais il tape dans le vide. Mais comment il tape? Mais si je dis tout droit. Bah, tu vois pas en fait, c'est galère. Puis le stress, c'est encore pire. En parlant tout droit au fond de la chambre, au froid, pas toi. Là où il tourne de mon côté, tu sais. Oh, ta gueule. De toute façon, dans tous les cas, de toute façon, je vais te dire. Mais c'est pour une info, de toute façon, tu parles. Il est sorti de son trou au moment que je lui ai donné l'info. Donc au pire. Et puis perso. Et puis perso, je vais te dire une chose, quand je l'ai regardé faire, il tapait dans le vide, alors... J'ai même pas... En fait, j'ai pas eu le temps de taper, quoi. Au moment où je suis arrivé vers lui, il m'a mis un coup de pompe. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux... J'ai eu quand même t'en mettre 3 avant que tu meurs. Tu te rends compte, même si t'es tombé avant. Ouais, donc t'avais largement le temps de lui en foutre une, quoi. Voilà. Un minimum. Hein. Ouais, mais le temps de se relever, je l'aurais déjà tué. Hop, le sar commence, Dylan. Allez hop, ouais, ici. Ouais, bah oui. Allez, cherche quoi, je suis déjà parti. J'aime bien courir vers la mort. Ah, pour quoi t'y vas alors? Voilà. Mais Dylan, il meurt tout de suite, l'autre, non mais. Mais c'est normal, il connaît les spawns. Attends, tu sais, j'ai apparu, il était en face de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, oh, comme moi hier. Oh, c'est là, con, ça. Exactement la même, le même coucou. Truc. Là, vas-y, laisse-moi, je vais changer de place. T'as cru ou quoi? T'as sérieusement cru que j'allais te laisser pour que tu puisses changer? T'as qu'à te barrer hein, avant que j'arrive, t'as largement le temps toi par contre. Vas-y, moi je me laisse tuer, hein. J'avais aucune chance. Bon mais Anto c'est toujours toi et moi. Hein. Parce que Anto il a pas bougé. J'ai bougé, qu'est-ce que tu dis? Tu crois que je suis un andu moi qui respawn tout qui va se cacher au même endroit? Franchement, le mec en fait depuis tout à l'heure, lui il a aucune loi parce qu'il reste avec sa lampe. Au loin, je le vois. Et alors, je m'en fous que tu me vois. Franchement, tu me vois ou pas, ça changera rien. Je t'abattrai quand même. Quoi, Anto, ça va? Putain, ouais. J'ai un malade qui vibre. Ça va. Ça va Loïc? Tranquille. Toi aussi tu regardes l'entour. Oh non, putain. C'était beau. Le stress il est monté. J'avoue. La manette elle a vibré à mort hein. Ah bah tu mets ta merde. Elle vibre. Hey, il est malin, il se recule loin et tout. Pour être sûr que tu viennes pas à lui. Ah putain!
Ah, c'est con, Martin. Si, si, avec Fred. Mais j'ai bien aimé tout à l'heure. Chaque quart d'heure ou pas? Oh. T'as fait mal aux oreilles, ça. Anto. Oh putain, ouais, les oreilles, sa mère. T'es un enfoiré. Pourquoi? Anto, ça va? Ça va, nickel, un peu stress, mais bon, ça va. Anto, c'est normal que je vois un truc de. Il lag ton micro, oui. Ouais. Il est en train d'attendre là, toi. Il est en train d'attendre dans le secteur là, toi, le mec. Allez, on va se concentrer pour bien sûr le buter quand même. Ça montre des choses. Il cherche partout, il sait pas où t'es. Moi je sais, mais je dirais pas. Moi aussi. Fais plaisir à tout le monde, tue-le. Tu le trouveras pas. T'es sûr? Tu le trouveras pas. Anto. Non mais sérieux, mec. T'es sérieux? T'es sûr que je le trouverai pas? Ah non, tu me trouveras pas, mec. Tu alors. Le trouveras pas. Mais non, je t'ai pas du tout trouvé, c'est vrai. Ouais, oui, putain, oui. Tends ta gueule. Allez, tends ta gueule, mec. Oh putain. Et en plus, c'est le premier, premier toucher que tu m'as fait, mec. Tu m'as touché dans le bras, ça m'a enlevé la moitié de ma vie, pratiquement. T'avais... Il fallait juste retirer une seule balle et ça aurait été bon. Mais là, mec, désolé. Sky, tout à l'heure, t'es passé juste à côté. Ah, mais franchement, tu regarderas la vidéo. J'ai grave stressé pour lui. Tu vas regarder la vidéo, sans déconner, je te jure, j'étais en stress. Mais t'es passé... En fait, t'étais à un mètre devant moi, mec. T'étais à un mètre devant Pourquoi quoi. Tu m'as pas tapé? Pourquoi t'es pas venu me taper? Parce qu'en fait devant moi il y avait une caisse. Il y avait un bout de viande et une caisse. Alors j'avais pas sauté par-dessus la caisse pour me faire repérer. J'ai dit non, je reste concentré, je bouge pas. Il t'est passé devant moi. En fait tu m'as contourné. Le bout de viande, lui, il a bougé. Tu m'as contourné. Ah, pourtant le morceau de viande par contre il faisait la bascule. Hein. Alors là. Il avait du sang au-dessus d'en.